Bon matin! On est jeudi matin aujourd'hui. Il est 10h30. J'ai commencé à faire le dîner. Là. On va manger du petit poulet là, dans le four. C'est genre des filets de poulet. Là. Fait que là, j'ai habillé Adeline parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Je vous montrerai ça tantôt, là, mais c'est ça, j'ai rendez-vous médical. Maman va s'en venir avec moi parce que ben, c'est ça pour qu'elle m'assiste avec Adeline. Puis, ben c'est ça. Là, je suis juste en train un peu de ramasser la maison, surtout Lilo et tout, parce que en fin de semaine, on reçoit. Je reçois ma meilleure amie puis sa fiancée le matin, comme pour un genre de brunch, en tout cas, je vais servir du café, puis eux autres vont apporter comme quelques pâtisseries. Puis, c'est ça, en après-midi, c'est mon frère, ma cousine, puis les conjoints qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Alors, voilà, c'est ça. Fait que là, je commence à ramasser un peu. Chanaka va s'en venir, là, ce sera pas très long. On va tout manger. Adine va aller faire sa sieste. Moi aussi, je vais aller faire une sieste. Puis après ça, on part pour le rendez-vous. Salut! Il est... excusez, je vous ai caché. Il est 3h30. J'ai terminé mon rendez-vous, là, puis là, ça fait quelques commissions que moi et ma mère ont fait. Donc, mon rendez-vous, que je voulais vous en parler, mais comme pas tout de suite. Donc, mon rendez-vous médical, c'était une échographie. Parce que, oui, je suis enceinte! C'est un petit bébé surprise. On s'y en attendait pas vraiment depuis moi. Mais c'est une belle surprise, évidemment. Fait que là, c'est ça, on est en train d'ajuster notre vie pour accommoder un deuxième enfant. Donc, c'est ça, le rendez-vous que j'avais aujourd'hui, c'était à la clinique OVO pour une échographie. Donc, bébé va bien, tout va bien. Donc, c'est ça, je vous l'annonce maintenant. Fait que là, c'est ça, c'est super excitant. On a plein de beaux changements, comme je vous dis, qui arrivent. Ouais, là, j'ai Adine avec moi. J'étais allée y acheter des petits bas là, chez l'aubainerie. Parce que là, il faut qu'elle soit chaussée tout le temps. Puis elle va avoir des orthèses aussi qu'il va falloir qu'elle porte pendant la nuit. Fait que j'ai acheté des petits bas. C'est les seuls chez l'aubainerie qui sont pas cramponnés dans ces grandeurs-là. Puis honnêtement, que le prix fait a bien du bon sens aussi. Là, c'est 5 paires pour 7$. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est quoi, il est trop loin? Alors, c'est ça mes petites nouvelles. Donc là, mamie. Mamie est au Michael's, est allée chercher de quoi qu'elle a besoin pour un projet. Là. Après ça, on va faire quelques petits stops. Elle voulait arrêter chez Toys R Us, chez Clément, encore une fois pour bébé 2. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne vous ai pas vlogué pendant... les derniers temps, là, parce que ça aurait été bien trop compliqué de vous cacher ça. Je voulais juste être sûre d'avoir au moins un rendez-vous médical pour comme être sûre que tout va bien là, avec bébé 2 pour être sûre avant de vous en l'annoncer. Donc, c'est ça qui est ça. Fait que là, c'est ça. On a... Est-ce que je voulais venir? Je voulais en venir à quoi, Toutoune? 3h30. Là, on s'en va magasiner. Ce soir, ça se peut que maman... elle vienne à couche à la maison, on va voir, c'est un gros mais, parce que je pense qu'elle a un rendez-vous comme... En tout cas, ça va être un gros mais, on va voir, c'est les bas! Tu dis allô? Allô! Donc voilà, c'est ça. Oui, à cam. Oh, les bas! Oh! Ça dit que la paire de bas, c'est pour filles, mais entre vous puis moi, là, même si j'ai un petit gars en deuxième, là, je pense que ça va faire bien la job. En tout cas. Donc, c'est ça, je vous laisse. On s'en parle tantôt. Des bonnes pâtes fraîches pour ce soir. Avec une bonne sauce à spag. Coucou! Tu dis-tu allô, Adeline? On est samedi aujourd'hui, il est environ 5h moins quart. C'est ça, je vous ai montré ma sauce à spaghetti, mes pâtes fraîches. Donc hier... Viens-tu ici? Tu viens-tu? Ok, vas-y, un bras! Donc c'est ça, hier je vous ai comme pas filmé. Des beaux becs! C'est qui ça?
Je l'ai comme pas filmé, comme je viens de dire. ça l'a comme pas donné, mais c'est ça, maman, elle a dormi, dans le fond, de jeudi à vendredi. Fait que c'était bien cool. Hier, elle s'est levée, puis maman était là, fait qu'on a pris comme un petit matin relax. Maman, elle a acheté une belle table avec deux chaises. Ben, ça vient de mes parents, dans le fond, là. Pour Adeline et du fait même pour bébé 2. Donc c'est ça, ça fait full une belle surface de jeu là, pour Gommy. Oh, excusez, il y avait un bruit, je me demandais c'était quoi, c'est la laveuse. Ça allait de laver la nappe, vu que je reçois tantôt. Là. En fait, mon frère et son fiancé devraient être ici dans environ 15 minutes. Là. On s'était dit 5 heures, mais bon, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Ma cousine, elle, et son chum vont juste arriver un petit peu plus tard parce que eux autres sont en grosse rénovation. Ils viennent d'acheter une maison. Puis, ben c'est ça. Ils sont tous en train de la rénover eux-mêmes. Fait qu'ils essaient de faire le plus possible dans une journée, c'est normal. Là. Fait qu'ils m'ont dit qu'elle allait être là vers 6h, which is fine. Fait que c'est ça, je me préparais là, tranquillement, pas vite, à les accueillir. La maison est pas mal propre pour qu'est-ce que c'est. Là. Fait que là, j'essayais... de prendre les 15 minutes, de donner 15 minutes que j'ai vraiment relax. C'est ça. Cine et Evelyne sont venues en matin. Mouah! Un petit bec! Cine et Evelyne sont venues en matin. On a tellement eu de fun, là. Ils m'ont apporté. Je ne les ai pas filmés, là. Parce que les autres, je pense pas qu'ils aiment ça être dans mes vlogs. Fait que faut que je les respecte là-dedans. Ils m'ont apporté plein de vinoiseries. Puis on a dégusté ça, là. Il était genre 10h30, 11h, là. C'était comme. On a brunché, si on veut, aux vinoiseries avec des cafés. Oui. C'était vraiment, vraiment bon. Puis, vers 1h30, non, il était bien plus tard que ça. Il était quelle heure? Je pense qu'il était quasiment rendu 2h. On en a commandé à 1h30, il était rendu peut-être 2h. Puis, on a... Cine, elle nous a commandé de Uber Eats, là. C'est la maison Panda, si je me trompe pas. C'est des dumplings. C'est tellement bon. Ah oui, Panda Dumpling, je pense que ça s'appelle. Tu te regardes dans la caméra? Est-ce que c'est drôle? c'est ça, puis j'ai goûté pour la première fois à... Je pense que ça s'appelle des hot dogs coréens. Donc, c'est des genres de pogo fancy, là, si en vous puis moi. J'ai aucune idée de où, par exemple. Ça, je pourrais vraiment pas vous dire. Moi, j'ai pris aux patates. Fait que c'est genre des petites patates déjeuner, tu sais, des petits cubes. Puis après ça, t'as la pâte à pogo, si on veut. Puis, ensuite, t'as la saucisse à dog, comme. C'était vraiment, vraiment bon. Tu te bouches les oreilles? Excusez, je vais changer de bras. Voilà. Wow! Ah, t'es fatiguée? Pourtant, tu viens de te réveiller de ta sieste. Et Evelyne pis Cine, ils ont joué avec elle, là. Toute, comme l'après-midi, si on veut, là. Oh, doux avec le quoi, maman? Faut pas que tu m'égorges. On a besoin d'oxygène. Ok. Excusez, mon frère m'a texté. Ils sont sur la route puis ils habitent à 10 minutes. Fait que ça devrait pas tarder. Donc, c'est ça. Cine et Evelyne, ils ont joué avec elle toutes. Dans le fond, de la minute qu'ils sont arrivés, on a pris une petite pause pour manger. Puis après ça, on a continué à jouer. Evelyne pis Adeline là, sont rendues besties forever. Adeline tripe sur Evelyne. Tu sais, déjà qu'elle l'aimait bien gros, là. Mais là, sont vraiment rendues best, là. Comme, ils arrêtaient pas de jouer, ils se faisaient rire. C'était vraiment beau comme moment, là. J'aurais dû vous filmer, mais encore une fois, ils capotent pas être dans des vlogs, là. Fait que je vais garder ces souvenirs en mémoire dans... C'est ça, je vais garder en mémoire... cette mémoire très précieusement. Excusez, Adeline a joué avec ma montre, fait que ça l'a fait sonner. Fait que là, le vidéo, il a comme coupé. Alors, c'est ça, je vais essayer de vous filmer là, mon souper, puis un petit peu des clips quand les boys sont là. Chanka va juste revenir de travailler vers 6h30, je pense, environ. Fait que d'après moi, on va comme manger vers 6h30. Mais c'est ça, on va chiller avec les boys en premier. Fait que c'est ça. Excusez, là, mon vlog est vraiment décousu, mais faut que je me remette dedans, là. Je suis pas... je suis comme plus habituée. J'ai plus le réflexe de sortir comme ma caméra, mais je vais me remettre dedans. Parce que je veux vraiment vous faire un suivi de ma grossesse, de comment ça va, puis tout. Puis là, en passant, petit suivi grossesse d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis à 9 semaines et 3 jours, si je ne m'abuse. Faudrait que je fasse le calcul de à partir de quand.
parce qu'ils m'ont dit comme que j'étais 9 semaines et quelque chose, mais comme je sais pas c'est quoi la date précise de dans le fond de quand j'ai commencé à être enceinte. Fait qu'en tout cas, je vais calculer ça tantôt. Oui! Et puis c'est ça, côté nausée aujourd'hui, c'est pas si pire. J'ai quand même pris des pilules parce que je me suis dit s'il y a de la visite qui vienne puis que je file mal, ça me tentera pas de mal filer. Puis ma cousine tantôt va m'apporter du vin sans alcool, fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Et c'est ça. Je vais vous dire si le vin il est bon ou pas, s'il y en a d'autres mamans c'est ça, qui sont enceintes. C'est qui? C'est-tu toi, Adeline? Alors, c'est ce que je voulais vous dire comme petit update. Donc là, la nappe a quasiment fini. Je vais aller la faire, la transférer dans la sécheuse. Puis, c'est ça. Oh, on va relaxer les petites 10 minutes qui nous restent. Puis, ben c'est ça. On vous dit à plus. On dit-tu bye? OK. On dit bye? On dit bye-bye? OK. Bye!